Dans le rugby, on est obligé, à un moment donné, surtout quand on est neuf, de poser le jeu et de regarder ce qui se passe. Et dans le travail, c'est pareil, si on continue toujours tête baissée à foncer, à un moment donné, on est face à un mur et on ne se rend pas trop compte des erreurs qu'on peut faire. Donc à un moment donné aussi de s'arrêter, de relever la tête, regarder si on a fait des erreurs, repartir en arrière, parce que le principe du rugby, c'est de faire des passes toujours en arrière. Donc se dire, on repart de plus loin, avec plus de vitesse pour mieux reprendre. Je pense qu'il y a un côté stratégie au rugby, enfin, dans les sports co, où on doit vraiment faire attention, essayer d'anticiper un peu ce que fait l'adversaire. Dans le milieu du travail, je pense que c'est aussi important de pouvoir un peu anticiper les tendances du marché, etc. Et pouvoir se construire sa stratégie par rapport à ça. Donc je pense que ça serait plus cet aspect-là que je trouve à appliquer au milieu du travail et aussi l'esprit d'équipe, parce que évidemment en entreprise, si on travaille en silo, ça va être un peu compliqué d'avancer. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre le rugby et le monde de l'entreprise qu'on peut faire, que ce soit au niveau des valeurs à développer, mais aussi sur la manière de faire. Dans le rugby, par exemple, la communication est hyper importante et en entreprise aussi, donc il y a plein de petits parallèles qu'on peut faire comme ça. Et sur les valeurs, il y a tout cet aspect esprit d'équipe qui est bon d'entretenir, tout l'aspect persévérance. Je pense c'est quelque chose qu'on a en nous, qui nous a été donné par le sport et qu'on arrive du coup à appliquer sur des projets, avec nos équipes. On va toujours essayer d'arriver au bout.